Ieri pomeriggio, il figlio di Liu Bozizio conferma la triste notizia che la riguarda. Liu Bozizio, conosciuta con lo pseudonimo di Luigia Bozizio Mauri, è un'artista poliedrica nata a Milano il 30 gennaio 1936. La sua carriera abbraccia il cabaret, il cinema, il teatro, la radio e la televisione, principalmente dagli anni 60 agli anni 80. La sua fama è legata soprattutto al ruolo di Pina Fantozzi, che interpretò nei primi due film della saga di Fantozzi e nel film Super Fantozzi del 1986. Inoltre, ha dato la voce a Marge Simpson nella serie animata I Simpson fino alla 22esima stagione. A soli 16 anni, nel 1952, si iscrisse all'Accademia d'Arte Drammatica di Milano, ma venne bocciata al primo anno per immaturità. Determinata, tornò l'anno successivo e fu accettata. Nel 1955, concluse gli studi esibendosi in un saggio finale in cui interpretava Gasparina Torretta in Ma non è una cosa seria di Luigi Pirandello. Il suo debutto teatrale avvenne con la compagnia di Romolo Costa al Teatro Manzoni di Milano nel 1955. Nel corso degli anni 60, lavorò spesso in televisione e partecipò a produzioni come il film televisivo L'Arma Gentile nel 1964 e la serie La Rosa di Zolfo nel 1967. Il suo talento la portò a interpretare ruoli teatrali impegnativi, come il Candelaio di Giordano Bruno al Teatro Quirino di Roma nel 1968 e un'edizione innovativa dell'Orlando Furioso di Luca Ronconi al Festival dei Due Mondi di Spoleto nel 1969. Nel 1975, vestì i panni di Pina Fantozzi nel film Fantozzi, contribuendo a conferire al personaggio una profondità e umanità notevoli. Nonostante l'abbandono del ruolo dopo i primi due film, tornò nel 1986 per Super Fantozzi, segnando la sua ultima apparizione cinematografica. Nel corso della sua carriera di doppiatrice, prestò la voce a personaggi come Marge Simpson, Spanky Nello, Spank e Doraemon nel 1982. Dopo aver abbandonato la recitazione, si dedicò alla letteratura e all'arte, esponendo i suoi collage polimaterici e opere in ceramica raku in varie mostre. Nel 2006, iniziò a collaborare con il sito buffonimaledetti.org e nel 2007 fu tra i fondatori dell'associazione culturale Buffoni Maledetti. Nel 2009, pubblicò il suo primo romanzo, Il Carbonio nell'Anima, ispirato alla sua vita raccontata in diari iniziati a 16 anni. Dopo una pausa, tornò alla scrittura nel 2018, pubblicando il romanzo Nina e le sue strade. Lo scorso anno, Liu Bozizio si rese conto per la prima volta che qualcosa non andava quando iniziarono a manifestarsi momenti di distrazione. Preoccupata per la sua salute, cercò assistenza medica e si sottopose a una serie di esami. Tragicamente, nel gennaio di quest'anno, fu colpita da un attacco epilettico che suscitò il timore di un possibile ictus. Ulteriori esami rivelarono la presenza di un meningioma delle dimensioni di un pugno nel suo cervello, il tipo più comune di tumore cerebrale. La diagnosi rappresentò uno shock, sia per Bozizio che per i suoi fan, poiché il tumore sembrava essere comparso improvvisamente. Dimostrando incredibile resistenza e determinazione, Bozizio si sottopose a un intervento chirurgico per rimuovere la maggior parte del tumore pochi giorni fa. Tuttavia, nonostante gli sforzi del suo team medico e l'amore e il sostegno dei fan di tutto il mondo, le sue condizioni peggiorarono rapidamente. Purtroppo, non mostrò alcun segno di miglioramento e, profondamente addolorata, ci lasciò. Il cimitero Forever di Roma accoglie ora Liu Bozizio come sua ultima dimora. Questo cimitero, rinomato per ospitare numerose figure importanti, diventa così un memoriale permanente per questa icona. Mentre piangiamo la sua scomparsa, possiamo trovare conforto nel sapere che il suo contributo alla musica e alla cultura popolare continuerà a ispirare ed edificare il pubblico negli anni a venire e nelle generazioni future. La vita di Bozizio è stata un viaggio straordinario, ricco di trionfi, sfide e momenti di crescita personale. Dai suoi esordi come membro della dinastia della famiglia Bozizio fino alla sua ascesa come attore di talento, ha lasciato un segno indelebile nell'industria cinematografica. Bozizio, occuperai per sempre un posto speciale nei nostri cuori. Riposa in più gourmand e vivement le tome 2, tout comme le tome 2 de Fleur de Pierre, e puis alors, tout comme version.
Ah oui, suivant. Alors là, ça va être rapide, individualité, football, battle royale, et c'est le tome 12 de Blue Lock, avec un animé qui est pas mal du tout. Un manga que je vous recommande si vous aimez les mangas de sport, parce que ça passe, parce que moi j'aime bien, il se prend pas la tête, et il fait bien le travail. Suivant. On enchaîne avec un autre manga popcorn qui pour le coup fait également le travail, même si les ingrédients de base ont pas l'air d'aller ensemble, ça fonctionne très très bien. J'ai envie de dire étudiante, tueuse à gages et gourmandise. Vous avez le tome 4 de Violence Action qui est vraiment sympathique également. Je prends beaucoup de plaisir à découvrir ce titre. Bonne petite nouveauté 2022-2023 là. Bah écoutez, soyez curieux. Si le titre vous fait de l'œil déjà et que vous l'avez toujours pas pris, alors c'est que oui, il faut passer le cap. C'est très sympa. Suivant. Eh bah écoutez, on reste un petit peu dans ce même univers mafieux, Yakuza, et je rajouterai Trésor. Ça y est, vous avez trouvé là aussi, c'est le tome 4, et il s'agit de Golden Guy chez Mangetsu. Un titre fort sympathique, qui fait bien le travail. Alors, c'est vrai qu'il se prend pas trop la tête, c'est vrai que ça aurait tendance à être un peu manichéen, quand même, donc un petit peu simple, mais c'est bien. C'est bien, moi j'en attends pas plus, voire même il fait mieux que ce que j'attendais. Donc oui, c'est très très bien et je recommande, les dessins sont frais, l'histoire est dynamique et ça avance bien. On prend un bon moment de lecture assurément. Suivant. Allez, fini les Yakuza et maintenant en trois mots, je vais vous dire comédie, romance et cigarette. Mais c'est facile comme tout, c'est facile comme tout. Les tomes 4, 5 et 6 sur 11, le dernier est sorti récemment, de Cigarette en chérie, que voici. J'aime bien, moi j'aime bien, là c'est un petit manga plaisir coupable également, j'aime bien suivre un petit peu les aventures amoureuses ou les échecs amoureux également hein, de nos jeunes protagonistes. Et c'est pas mal, ça passe très très bien. Celui-là fait le travail. Suivant. Pour le manga suivant, j'ai envie de parler de Furio, de Scolaire et de Baston. Et oui, j'adore cet auteur, Masanori Morita. Revient dans sa collection Masterpiece, c'est déjà le tome 5 de Rokudenashi Blues. Et moi, comme je peux pas comparer avec l'édition de J'ai lu, et ben en fait j'aime bien parce qu'on peut pas comparer ce qu'on n'a pas. Et ben voilà, j'ai pas à comparer, je me contente de celui-là. Et celui-là fait très bien le travail, quoi qu'on en dise. Je le recommande. Je l'ai tellement attendu que je vais pas chipoter en vérité. Faudrait être fou. Ce serait vraiment cracher dans la soupe ou se tirer une balle dans le pied. Rokudenashi Blues, il fait très très bien le travail et je savoure chaque tome. Il y a un petit peu de nostalgie aussi, hein. On est sur la corde sensible là. Allez, suivant. Pour le prochain, on va rester dans le monde de l'école. Je vais dire couple et je vais dire sommeil ou sieste. Et oui, oui, il s'agit du tome 8 d'Insomniac chez Soleil Manga. Alors, Insomniac, j'ai beaucoup de retard et je suis en train de me demander si c'est pas une erreur de ma part. Peut-être qu'il faudrait que je les lise parce que peut-être que ça va pas me plaire finalement. Je me demande, je me pose des questions. J'avais beaucoup aimé le premier tome, c'est pour ça que j'ai enchaîné les achats, mais j'en ai pas fait la suite de la lecture. C'est sûrement une erreur, mais c'est pas sûrement, c'est une erreur. Je crois que je vais, avant d'acheter les prochain, vraiment, vraiment me pencher sur la lecture des tomes là parce que j'ai trop de retard, je peux pas acheter pour rien à un moment, stop. Allez, suivant. Alors là, c'est la déception parce que je découvre cet auteur avec ce manga. C'est un auteur dont on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup et qui revient sur le devant de la scène, notamment avec un autre titre qu'on a présenté précédemment. Et là, j'ai été déçu de ce recueil. Boken Shonen, un Dadashi, rêve d'enfance, mais là, j'ai pas trop aimé. Alors, heureusement que l'histoire courte sur le baseball m'a fait penser que ces séries